Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadi, et les membres du bureau national du parti ont procédé ce vendredi 5 mars 2021 à l'installation officielle des coordonnateurs communaux du parti. Ils sont donc au nombre de 10, ces soldats qui investiront les hameaux, villages et quartiers de ville du pays pour enraciner le parti Moël Bénin, porter son message et celui de son candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé. Chers invités, mesdames et messieurs, si la qualité du moteur est indispensable pour le rendement d'un engin motorisé, les structures locales d'un parti politique constituent le maillon viable sans lequel toute structure politique est éclopée. Représentant l'émanation de nos structures de base des communes de l'Atlantique, à prendre officiellement et à assumer pleinement, dans la limite de nos tests réglementaires, leur fonction de coordonnateur de communes ce jour. En prenant fonction en qualité de coordonnateur départemental de l'Atlantique, il y a de cela quelques mois, nous avons, sous le leadership éclairé de notre président, et avec l'appui des intrépides cadres du parti, de notre parti, insuffler une nouvelle dynamique politique à nos structures de base en les étoffant par endroits et en les restructurant par ailleurs. Après avoir été installés et présentés au bureau national du Moël Bénin, les 10 coordonnateurs des 5e et 6e circonscriptions électorales ont reçu leur mission du président Jacques Ayadi, celui d'être chacun le directeur de campagne de sa section, afin que le Moël Bénin soit présent dans le dernier village du Bénin et que les populations adoptent son message pour la victoire du candidat Patrice Talon. Nous avons certes installé des coordinations pour communes, mais reculer, comme il est dit à Cotonou, que nous sommes tous les directeurs de campagne pour les élections du 11 avril 2021. Et pour cela, dès notre soir Cotonou, qui aura une décision pour mettre en place les structures de campagne des communes et des arrondissements. Et je dirais que c'est l'ensemble des membres des coordinations communales qui vont diriger les campagnes au niveau de chaque commune. Et le directeur de campagne, c'est le coordonnateur communal. Plus jamais c'est la même. Je voudrais simplement, en ma qualité de président du parti, recevoir vos bonnes installations que le coordonnateur départemental vient de faire et à mon tour vous installer dans vos fonctions de coordination communale, de campagne, de moyens de l'intervention présidentielle du 11 avril 2022. Pour terminer en beauté cette cérémonie d'installation, le président Jacques Ayadi, son bureau national et tous les membres présents ont entonné l'hymne du parti pour se rappeler l'engagement qui a été pris pour le développement du Bénin.